Bon, et messieurs, c'est YAMG, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, les amis, on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va eh bien, réaliser un défi voilà, qui m'a été lancé, enfin, qui m'a été lancé, pas personnellement, mais qui a été lancé à bon nombre de YouTubeurs Career Manager par Micro. Donc, aujourd'hui, on va réaliser ce défi. Moi, vous savez, les défis, et j'aime bien, voilà, dès qu'on me propose un défi, je le fais. Je veux le faire, donc je le fais. L'objectif de cette vidéo, eh bien, c'est simple, c'est qu'en gros, avec 150 millions d'euros sous FIFA, on doit faire une équipe, voilà, une équipe de Ligue 1, avec bien sûr que des joueurs de Ligue 1, ça me paraît assez logique. Hein. Donc voilà, on est dans le pire club de Ligue 1, Dijon. J'ai mis 11 joueurs. Voilà, donc pour 150 millions, donc ça, 150 millions, c'est les valeurs qu'il y a sur ce FIFA. Donc ouais, voilà, 150 millions. J'ai pas mis 150 millions dans la carrière directement. J'ai pris les joueurs, voilà, j'ai sélectionné les joueurs sur ce FIFA et je les ai mis dans cette équipe via le truc, voilà, modifier équipe, transfert club, etc. Donc voilà, là on a une belle équipe les amis, je vais vous la montrer après. Micro, je sais qu'il a fait une stratégie, c'était de prendre des joueurs, voilà, d'être assez homogène au niveau des joueurs. Moi j'ai fait une stratégie un peu différente où j'ai cherché un gros joueur qui m'a demandé un peu de budget. Et ensuite voilà, j'ai composé autour de ce joueur, mais c'est vrai que j'ai voulu me prendre une bonne sécurité. Et voilà, en vrai, je connais quand même pas mal les simulations et je sais ce qui fonctionne. Donc voilà, on a tenté quelque chose. Est-ce que ça a fonctionné? Je ne sais pas, j'espère. Mais en tout cas, voilà, l'équipe, les amis, je vous l'ai montré. Par contre, les valeurs, je les ai pas sous le nez. Normalement, j'ai fait un petit truc, une petite composition d'équipe vite fait avec les valeurs. Mais voilà, normalement, j'ai dépensé 149,5 millions. Hein, voilà, j'ai gardé 500 000. Hein, voilà, j'ai pas dépensé 500 000. Je suis quelqu'un de très sérieux, comme vous le savez. Donc, on va commencer directement par la composition des équipes en commençant avec le gardien. Donc, le gardien, nous avons choisi directement. Hein, voilà. Là, je nique le suspense. On a choisi Keylor Navas. Il a 33 ans, 89 de général. Je pense pas qu'il va descendre cette saison. Donc, voilà, on va garder un gardien à 89, peut-être à 88, mais je ne le vois pas descendre plus que 88. Donc, on a Keylor Navas. Et les gars, je vous dis, voilà, je vous dis, avoir un gardien en sélection, enfin en simulation, un gardien comme ça, bah c'est pas mal. Donc je suis assez content de cette recrue. Là, Keylor Navas qui me coûtera 34 millions à peu près, un peu moins de 34 millions, 33,5 pour être précis. Et ça va me faire mal au cul. Mais voilà, il le faut. Voilà, 34 millions partis sur Navas, hein, c'est plus d'un cinquième de notre budget. Ça fait beaucoup, hein, je peux comprendre, mais au final, voilà, ça va. On a quand même réussi à composer une équipe à côté, donc ça passe. Ensuite, en défenseur droit, nous avons Fouquet, donc le Belge de 25 ans et qui joue à Reims, que j'ai recruté pour. Voilà, lui, il coûte 8,5 millions, donc franchement, voilà, c'est pas mal. Ça me va, ça m'ira amplement. C'est un peu le point faible, peut-être, de cette équipe, mais bon, voilà, on fait avec. Ensuite, la défense centrale avec Maripane Dissassi, donc une défense monégasque. Elle est peut-être lente cette défense, mais en simulation, je pense que ça peut aller. On a Maripane qui peut encore progresser. On a Dissassi qui peut bien évidemment progresser. Dissassi, je crois, c'est 11 millions et Maripane 11 millions 5, ou l'inverse. Voilà, c'est un des deux. De toute façon, en tout cas, les deux ensemble, ça fait 22,5 millions. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons côté gauche Jordan Amavi. Donc voilà, c'est un peu, en vrai, c'est un profil assez similaire c'est assez similaire à Fouquet en fait, un peu quand on regarde les statistiques, c'est vrai que c'est à peu près la même chose. Voilà, peut-être un peu plus complet pour Amavi. Mais bon, voilà, le défenseur gauche olympien. Je sais par contre, en plus, je sais plus du tout combien il vaut. Alors, excusez-moi les gars, je sais plus du tout combien il vaut. Normalement, il y a le screen de toute façon, donc ça passe. Mais c'est vrai que je sais plus combien il vaut. Donc voilà, normalement de toute façon il y a le screen, donc ça ira. Ensuite, le milieu de terrain. Là, le milieu de terrain, je trouve assez intéressant avec Seko Fofana, voilà, la recrue
La recrue de l'année dernière du RC Lens, hein, 75 de général. C'est le général le plus faible de l'équipe, mais en soi, je pense que ça va aller. Je pense que ça passe quand même. Hein, c'est pas mal, ça peut progresser encore un peu, donc ça c'est intéressant. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on a du Ludovic Blin en milieu offensif. Donc voilà, le Nantais. Hein. Il fallait que je prenne un Nantais de toute façon, les gars. Je vous dis, il me fallait un Nantais. Voilà, j'ai pris Ludovic Blin. J'ai envie de dire, voilà, là, on a mis un peu d'argent. Voilà, je crois que le milieu de terrain, il doit me coûter à peu près 30 millions avec Thiago Mendes en plus. Donc Thiago Mendes, ce qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, de base, je vais pas prendre Mendes, je vais prendre. Comment il s'appelle? Otavio, je crois. Voilà, il s'appelle Otavio, celui de Bordeaux. Mais le problème, c'est qu'Otavio, il était pas trop bon milieu de terrain, alors que Mendes, c'est joué à la fois milieu défensif et milieu de terrain. Donc voilà, ça passe, on le reconvertit milieu de terrain et ça ira amplement. Ensuite, côté gauche, nous avons Martin Terrier, donc il est buteur. Alors les gars, insultez-moi pas. C'est vrai que ça n'a pas été spécifié que il ne fallait pas. Voilà, on pouvait pas prendre des joueurs qu'on avait changé leur poste. Voilà, désolé. J'en ai profité, Martin Terrier, que je vais remettre attaquant gauche. Voilà, comme il était l'année dernière. Et là, il aura 77 de général et il sera intéressant. Et même, il est déjà intéressant, je pense. On a du Burak, hein, voilà, Burak, mais quel joueur Burak, hein, franchement, Burak, la révélation, voilà, la révélation de la Ligue 1 cette année, donc il est vraiment pas mal le petit bubu. Et ensuite, on a Youssef Attal, alors les gars, insultez, là, vous avez le droit de m'insulter pour le coup, Youssef Attal, les gars, qui prendra plus 3 si je le mets attaque en droit, il me coûte que 15 millions, voilà, je l'ai dit, il me coûte que 15 millions, Youssef Attal. Est-ce que c'est une bonne affaire? Bien sûr que oui. Est-ce que j'en suis content? Bien sûr que oui. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Yilmaz, c'est 8 millions 5. Et Terrier, c'est je sais plus. Je sais plus. De toute façon, il y a le screen, donc ça passe. Et sinon, voilà. Sur le bois, il y a quand même d'autres joueurs. Hein. Il y a le petit Bama Baldé qui est vraiment pas mal pour le coup. C'est vrai que lui, bah, quand Dijon va descendre, lui, je le vois partir ailleurs. Et ça peut être assez intéressant de le voir, je sais pas, dans un autre club de Ligue 1, ça pourrait être intéressant. Voilà, peut-être en vrai, je sais pas, je le verrais bien Saint-Etienne ce mec. Alors je sais pas pourquoi, mais en vrai, Saint-Etienne, il pourrait faire vraiment le taf. Donc voilà, on arrête de tergiverser. Hein, voilà, vous connaissez, j'aime bien tergiverser. Donc voilà mon équipe, elle est assez intéressante. C'est du 4 étoiles, hein, les gars. Voilà, très clairement du 4 étoiles, 75, 75, 75, sauf qu'on a un très bon gardien, donc voilà, ça rend la chose intéressante. On a détruit la défense de Monaco, ce qui est stratégiquement une très bonne chose. Ensuite, on a fait quoi d'autre? On a piqué le gardien du PSG, ce qui est quand même assez intéressant. Le PSG, ils vont se retrouver avec Rico, hein, voilà, Sergio Rico, désolé, mais bon, t'es pas incroyable, on va dire. Sinon, voilà, on a piqué quelques joueurs, hein. On a piqué à Rennes, on a piqué à Nice, on a piqué à Lens, à Nantes. En vrai, on a été chercher un peu partout en fait. Hein. On a vraiment été chercher partout et au final, on a une équipe assez intéressante. Il y a 10 équipes, je crois. Voilà, 10 équipes pour 11 joueurs, c'est quand même pas mal. On a été chercher la diversité et quand même, franchement, je la trouve assez intéressante. Peut-être moins complète, enfin. Voilà, il y a peut-être plus de faiblesses, on va dire, que celle de Micro, mais voilà, il y a quand même le point fort, hein, Navas, et pour rien au monde, je changerai Navas, je m'en fous. Pour rien au monde, je changerai Navas. Donc voilà, les amis, on se trouve directement pour mi-saison, voilà, enfin, non, fin de saison plutôt. On se trouve pour la fin de saison, pour un petit gameplay face à. Je sais pas c'est face à qui. Par contre, je suis en Europa League, c'était pas normal ça. Oh! Mais non, mais les gars, mais excusez-moi, franchement, non, mais les gars, no joke, hein, no joke, je me suis même pas mis en Europa League, ça m'a mis tout seul, mais nique ta mère, FIFA. Je vais devoir relancer une sauvegarde, vous croyez que j'ai que ça à faire en fait? Moi j'ai des révisions, tu vois, j'ai un examen, j'ai des examens moi à passer, et eux ils viennent, nanana, oh. Ok, bon, on va se tèche de l'Europa League, vous inquiétez pas, hein, voilà, y a pas de souci, hein, je ne triche pas, moi, je suis pas un tricheur, voilà, pas du tout. Et ça pour dire, bah en fait je regarde le gameplay mais ça risque de changer en fait. Donc voilà, comme je créerai une autre sauvegarde, ça sera pas Saint-Etienne. Donc voilà, comment perdre du temps, merci IA pour vos petites conneries là, vos petites conneries, en plus je perds ma voix en même temps, vas-y, oh. Oh c'est bon.
Les gars, moi je vous dis tout de suite, pour la fin de saison, on va voir si on fait mieux que Micro et 5e place, les amis, à tout de Bon, suite. bah on est de retour, hein, fin de saison, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Moi, je sais déjà ce qui s'est passé, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Hein, je vais vous le dire maintenant. Voilà. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, eh bien, les amis? Suspense. Alors, on va regarder déjà la Ligue des Champions, finalement QN, voilà, Manchester United, Manchester City, le PSG qui est en demi-finale, c'est pas mal, voilà, c'est sympathique. Il y avait Rennes, hein. Putain, Rennes en 8e, c'est rare que Rennes passe hein, dans les simulations. Ils ont terminé, ah ouais, ils ont terminé devant Chelsea, bah sympa, sympathique, voilà, c'est pas mal. Niveau Europa League, les amis, il y a une finale entre le Napoli et Arsenal. Il y a la Sociedad, il y a Leicester derrière, ok. Il y a du Malines. Il y a Malines. Jure, Malines, ils ont été en quart de finale d'Europa League quand même. Hein. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Les clubs français hein, qui sont bien pressants, hein, voilà, on les voit tous, les clubs français, de toute façon, ils sont très très forts, les clubs français quand même, hein, je tiens à le dire. Voilà, 6-1, c'est bien, tu vois, ça représente bien les clubs français. Hein, ça va en 16e de finale d'Europa League et c'est très bien. Au niveau de la Coupe nationale, voilà, la Coupe nationale, les amis, Coupe nationale. Eh bien, Coupe nationale, les gars, on est en finale. Voilà, on est en finale. Franchement, rien à dire. Voilà, une petite finale face au PSG. Sympa, ça, c'est sympa. C'est sympa. On a battu Bordeaux en demi-finale. On a battu le LOSC en quart de finale. Il y avait un 5-4 entre Lyon et Monaco. Ok. Et on a battu Angers 1-0. Et ensuite, on a battu le FC Lorient 4-1, donc on a affronté que des Ligue 1 et on s'en est sorti face à ces clubs de Ligue 1. On va aller affronter le PSG en finale, sauf que ce n'est pas le gameplay. Je pense que je vais le simuler parce que flemme, hein, voilà, on va jouer la Ligue 1. Parce que les gars, je vous dis, en Ligue 1, il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu, les amis, parce que nous sommes troisième. Voilà, nous sommes troisième. On joue notre troisième place, voilà, face à Strasbourg, Monaco. Ils sont derrière, ils sont quatrième, voilà, même nombre de points, juste qu'on a un meilleur goal à virage. Franchement, je suis très content des résultats. Voilà, ça prouve que notre équipe est jolie. Même en plus, c'est bien, franchement, on a profité de certaines choses. Oh, Saint-Étienne, oh, Saint-Étienne relégué. Aïe, 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 coup dur pour Saint-Étienne. Heureusement que c'est de la simulation, hein, c'est pas la vraie vie. Quoique, peut-être que dans un an ou deux, hein, qui sait, peut-être. Pas foutre la merde, mais peut-être. L'OM, hein, qui est 9e. Alors, en fait, on a su profiter quand même de qu'il y a certains clubs qui ne soient pas forcément en forme. Et au final, voilà, on arrive à une 3e place. Par contre, j'avoue, j'ai un peu le seum sur certains points. Voilà, je vais vous montrer ça. Hein. C'est pas là, mais voilà, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. C'est qu'on a fait des très bons résultats, c'est-à-dire que, voilà, on a fait des très bons scores. Voilà, on a quand même battu des. Voilà, RC Lens 5-0 et tout. Franchement, rien. Hein. C'est carré. C'est carré. Par contre, on perd Angers. On perd Lorient. J'ai envie de dire, c'est quoi cette histoire hein? C'est quoi cette merde? C'est-à-dire qu'on gagne Lyon. On gagne Lyon. On gagne le LOSC. On gagne Monaco. Mais on galère face. On perd face à Lorient et face à Angers. C'est dommage parce que je crois que Lorient, on les a même pas gagnés. Hein. Je crois qu'on les a pas gagnés, Lorient, hein, ces petits fumiers là. On les a pas gagnés, ces petits fumiers là. Hein. Toute la saison là, ils nous ont cassé les noisettes. Par contre, ouais, Angers, on les a gagnés. Mais Lorient, je crois que c'est une des. Enfin, avec le PSG, c'est la seule équipe que j'ai pas gagnée de la saison. Ah, c'est dommage, c'est triste. C'est triste. Au niveau des statistiques, bah voici les stats. Hein. On a du Martin Terrier, attaquant gauche, 79 de général. Hein. Youssef Attal à 82. Et des stats très très belles. On a du Burak Yilmaz, il a pris moins 5. Hein. Lui, voilà, il a pris cher. Je m'en doutais qu'il allait prendre cher. Justement, je me suis dit, bah écoute, il y a Mama Baldé qui arrive en fait. Donc je me dis, ça va aller. Au final, est-ce que ça a été un bon choix? J'ai envie de dire oui, vu qu'on est troisième. Ludovic Blas, milieu offensif, enfin voilà, qui a 79, Mendes qui a pas progressé, mais bon, on va dire qu'il y a quand même, je pense qu'il a dû tenir le rythme et tout cette saison. Fofana qui a pris qu'un plus un. Amavi, Maripane, Disasi, Foké, c'est vraiment pas mal. Hein. Amavi 79, Maripane, Disasi et Foké à 78. Un hein, Foké qui a pris un plus 3, qui a fait une très bonne saison. Navas 89, hein, voilà, qui a quand même gardé son 89 et je suis très content de ça. Je vous l'ai pas dit, mais on a la meilleure attaque. Voilà, on a la meilleure attaque. Vous faites ce que vous en voulez, c'est statistique, on est la meilleure attaque. On a du Terrier qui a marqué 16 buts. On a du.
On a du Atal à 10, on a du Yilmaz à 9. Ok, ouais, c'est pas mal. Voilà, on a beaucoup de buteurs de différents, je pense. Au niveau des passes décisives, on a Thiago Mendes qui a fait 8 passes décisives, Terrier 7. Au niveau des invincibilités, c'est Rico qui a fait le plus d'invincibilité. Navas qui en aura fait, qui en a fait 13, hein, franchement, pas mal. C'est très très bien, ça fait à peu près un peu plus d'un tiers des matchs qui ont été. Où il y a eu une invincibilité, donc c'est pas mal. Donc franchement, ouais, plutôt intéressant. Meilleur buteur de cette coupe, c'est toujours Terrier, d'accord. Bon, moi je crois qu'on a beaucoup de buteurs. On a beaucoup de buteurs différents, je pense, cette saison. Mais bon, voilà, c'est bien. Franchement, c'est bien aussi d'avoir plusieurs buteurs. On a du Terrier, on a du Blin, on a du Atal et du Yilmaz à plus de 10 buts. Ensuite, on a du 6 buts pour Amavi, 6 buts pour Mendes, 6 buts pour Baldé, 3 pour Fofana, 2 pour Fouquet. Sinon, voilà, ça claque, hein. Ça claquait pas mal cette saison. Au niveau des passes décisives, on a du Mendes, Terrier, Baldé et Ludovic Blin. Navas à 3. Hein, voilà, Navas à 3 passes D. Voilà, c'est pas mal. Voilà, il est partout sur le terrain, Navas, je vous le dis. Au niveau voilà, des statistiques, hein, comme je l'ai dit, c'est très joli, c'est très très beau. Et franchement, je suis content. Voilà, on a une très belle équipe. Là, on va affronter Strasbourg. Objectif, garder cette troisième place. Par contre, je vais pas jouer en semi-pro. Hein. Non, 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 je ne joue pas en semi-pro, les gars. Hop, voilà, légende, c'est bien, ça, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc voilà notre équipe finale, elle est très jolie. Hein. Bon, Yilmaz, un point faible, hein, mais bon, normalement il y a Baldé, sauf que Baldé carton rouge. Au final, on n'a rien. Donc voilà, l'équipe de Strasbourg, bah, elle a pas changé beaucoup. Hein. C'est très clairement l'équipe titulaire actuelle. Donc voilà, je vais pas vous la présenter plus que ça. Bref, les amis, on se trouve pour les meilleures actions de ce match. À tout de suite. Fouquet, il faut bien défendre là, Fouquet. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, il s'est passé quoi là? What is this shit, bro? J'ai rien compris. À ce moment-là, les gars, je fais. Ouais. Ok, bon, on a eu chaud. On a eu très très chaud, les amis. Faut bien défendre. Hein. Ah ouais, les gars, il faut bien défendre. Ouais, il faut bien défendre. Hein. Ouais, le gars, il faut bien défendre. Hein. Parce que là, on affronte Strasbourg. Hein. On affronte Strasbourg, je veux pas dire, mais normalement, c'est censé bien se passer. Hein. Enfin, c'était censé bien se passer. Sauf que là, on a un peu du mal. Voilà. Après, ils ont un peu de réussite, mais bon, on va rien dire. Ah, Youssef. Oui, le centre. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Burak. Burak. Celle-là, t'es censé la mettre. Celle-là, t'es censé la mettre, Burak, je suis pas d'accord. C'est quoi cette tête là? Y a pas d'envie, y a pas d'envie. Quelle honte là. Ouais, c'est pas mal ça. C'est intéressant ça, c'est intéressant pour Burak, Yilmaz. Burak, Yilmaz. Oh, Youssef Attal, l'enroulé de Youssef. Oh non, elle passe à côté. Mais non. Burak, encore une fois, qui perd son 1 contre 1, hein, voilà, c'est. Ça, c'est un petit Burak là qu'on a. Hein. C'est un Burak. Un braquage, un buraquage, un braquage, le mec. Une fraude. Mais qu'est-ce que c'est que. Je suis daltonien, les gars. Je suis daltonien. Je suis daltonien. Je suis daltonien. Enfin, je crois que les gars, je suis daltonien. Je suis daltonien, là, les gars. Non, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? What's happening right now, bitch? Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. Non mais c'est une honte. Qu'est-ce que je fais les gars? Mais qu'est-ce que je fais? Mais je fais une passe. Je fais une passe à Strasbourg. J'ai quel âge pour faire ça, putain? Non mais vraiment, ça fait 8 ans que je joue à FIFA et c'est pour faire ça. 8 ans à FIFA pour faire des conneries pareilles. C'est honteux. Insultez-moi. Insultez-moi dans les commentaires, y a pas de soucis les gars, je tolère. Je tolère totalement les insultes. Et Burak Yilmaz, ça dégage, espèce de traître.
On va mettre un rapide, allez hop, c'est à Salé. À Salé. Et Thiago Mendes. Là, on joue avec nos trois fusées en attaque là. Ça rigole plus. Je sais pas, il y a un mur. Il y a un mur dans le but, non? Enfin, je sais pas, genre, ils veulent pas marquer. Ils veulent vraiment pas marquer pour le coup. Je sais pas, c'est. Ils veulent pas marquer. C'est marrant, voilà. C'est marrant 2 minutes, mais là, 55e minute, moi j'ai envie de. Voilà, j'ai envie de prendre des points là. Je veux pas être en Europa League. C'est l'Europa League, c'est pour les nuls. Je sais bien qu'il y a certains youtubeurs qui aiment bien l'Europa League, mais moi, bon, je préfère la Ligue des Champions, quoi. Dijon en Ligue des Champions, les gars, imaginez Dijon en Ligue des Champions. Sauf que Strasbourg, c'est chien de la casse, ils ne veulent pas imaginer ça. Allez, Fouquet. Allez, Fouquet. Allez, Fouquet. Allez, Fouquet. Allez, Fouquet. Allez, Fouquet. Eh oui! Allez! Ah, Salé, mais prends le ballon! Prends le ballon! Allez, 2-1, les gars, la remontée. C'est bon, j'ai dit remontada. Vraiment une buraque, voilà. Bon, après, on sait que sur FIFA, dès que t'as un buteur qui est pas très rapide, c'est un peu galère de jouer avec. Après, il faut se dire que c'est quand même un des meilleurs Chiliens qui existe. C'est ça le pire, c'est que tu te dis, putain, le football chilien, ça se repose sur des joueurs un peu. Mais non, mais ta mère la pute aussi, toi. Mais ta mère la pute aussi, ta mère la. Monétisation, faut pas que j'oublie. Ah, Jack, il me nique bien mon gameplay. Si en plus il me nique ma monétisation, ça va très mal se passer. Regardez, non mais franchement c'est. C'est aberrant, mais c'est aberrant, c'est aberrant. On est sur un FIFA. FIFA c'est censé être du football. Là c'est pas du football, ça c'est. C'est quoi? C'est plus du hockey sur gazon que du football, les gars, je vous le dis. C'est une honte. Voilà, moi je vous le dis les gars, franchement, la vérité que l'année prochaine, moi je teste PES, je m'en fous. Je vais faire, voilà, je ferai quelque chose sur PES. Après, est-ce que je tiendrai toute l'année? Je sais pas, mais. Mais moi, FIFA et moi, ça commence à. Il y a beaucoup. Voilà, on a un couple en crise en fait, j'ai envie de dire. Là, on est un peu un couple en crise. Est-ce que je la trompe? Est-ce que je la trompe pas? Telle est la question. Allez, voilà, on est jamais 304, jamais 304, jamais 405, jamais 506. Tu veux quoi? Oh, jamais 304, jamais 405, jamais 506, jamais 607. Ils veulent me faire quoi là? Ils veulent me faire un Allemagne-Brésil ou quoi là? Bien joué à ça, allez. Allez, les gars, il faut rechercher. Allez, on va faire l'exploit, on crée l'exploit, les amis. On va créer l'exploit, moi je vous le dis. On va créer l'exploit. C'est pas fini. Oh, faute! Faute! Mais oui, mais il y avait une faute. Il y avait une faute. Voilà, arbitrage maison en plus. Bien sûr, arbitrage maison. Eh oui, voilà. On est habitué de toute façon avec ce FIFA. Voilà. Je l'ai trompé. Je le trompe. Voilà, je trompe FIFA avec PES. L'année prochaine, les gars, je vous prépare au mois de septembre. Hein. En plus, c'est mon anniversaire, donc je vais bien en profiter. Hein. Je vais bien profiter de mon anniversaire FIFA. Et Monaco, ils ont fait quoi? Sinon, Monaco, voilà, ils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, est-ce qu'ils m'ont piqué ma troisième place? Je sais pas. Telle est la question, je ne sais pas. Voilà, mais bon. J'ai envie de dire. Oh, les gameplays de FIFA, hein, c'est. Voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà. Ah, on est troisième, d'accord, ok. Ok, bah soit, hein. Soit, y a pas de soucis. Y a pas de soucis, voilà, mais non, mais on était là. En fait, on a c'est rien changé, strictement rien. Et je tiens quand même à remercier Montpellier, voilà, qui gagne, voilà, qui joue le jeu. Merci Montpellier, vous êtes un très bon club, Montpellier. Franchement, Montpellier, les gars, les Montpelliérains. Peut-être, je sais pas s'il y en a dans, je sais pas s'il y en a, mais voilà, les Montpelliérains, je l'ai jamais assez dit, mais vous êtes voilà, des très bonnes personnes. Franchement, respect à vous, respect à vous. Allez, on va simuler PSG les gars, hein, et on va s'arrêter là. Est-ce qu'on va réussir à faire LDC plus remporter une coupe? Ça serait sensationnel. Ça serait sensationnel, mes chers compatriotes. D'ailleurs, les gars, je pense que bah, on va parler directement de la prochaine carrière express qui va sortir. Hein, voilà, pour ceux qui sont restés jusque-là, et bien la prochaine carrière express sera avec un club.
qui a eu un nouveau coach il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, petit indice, hein. Enfin petit indice, il est assez gros aussi l'indice, mais. Et on a perdu. Et voilà. On a perdu. On a perdu au prolong, les gars. Mais non, mais. Rien ne va. What's happening? Rien ne va. Bref, la prochaine carrière express, les gars, ça sera avec un club qui joue. Qui va peut-être jouer un rôle assez important dans les prochaines années, vu qu'ils ont un nouveau coach assez, voilà, assez connu. Hein. Je vais pas vous en donner plus d'informations, mais voilà, c'est. Ça peut être voilà, je pense que c'est ça pourrait être sympathique de faire une carrière express avec avec ce club. Donc voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Yabay, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.